Les Ebellum échaudé ou Ebellum brûlant, Ebelloma sinapisan. Son chapeau peut faire jusqu'à 12 cm en moyenne. Il est beige carné à ocracée fauve. Ce champignon est toxique, il doit être délaissé. Son odeur est désagréable, sa chair amère en plus. Voilà le chapeau, parfois cabossé, torturé un peu, en fonction du lieu de pousse. C'est un champignon d'automne et d'hiver. Le voilà ici en totalité. Le pied est blanchâtre, méchuleux, floconneux, comme on le voit ici, parcouru de mèches, petites mèches, de la même couleur que le pied, blanche. Il est bulbeux à sa base. Voilà les lames adnées au pied. On voit mieux ici. Elles sont beiges, puis brunâtres dans l'âge, sans pleurs. Petite gouttelette typique à d'autres espèces sur les lames. La chair est blanche, vite attaquée par les vers, et si elle n'est pas très attaquée, parfois, pas tout le temps, on peut voir une petite mèche sommitale très nette, à la coupe. Voilà les amis, je vous laisse en attendant d'autres découvertes et d'autres déterminations de champignons ou autres, et je vous dis... à très bientôt. Ciao, ciao.